Sachez que cette chaîne ne parle que de commerce Blackbone. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Yes, babe, abonne-toi s'il te plaît. Coucou les beautiful, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais essayer le masque Algae Renew de la marque Camille Rose Naturals. Donc sachez que c'est l'un de ses premiers masques car il fait partie de la collection Signature et que cette collection c'est la toute première de Camille Rose, c'est vraiment celle qui a fait connaître la marque. Donc ce masque est fait à base de beurre de karité, beurre de cacao, jus d'aloe vera, huile de coco, enfin que des bonnes choses. De toute façon ne vous inquiétez pas, je mets tout ça en barre d'infos avec leurs propriétés. J'ai préalablement séparé mes cheveux en quatre, puis une fois le masque posé, je viens faire des vanilles. Franchement, j'adore la texture du masque, crémeuse, épaisse, consistante. Elle s'étale bien sur la fibre capillaire. Franchement, je kiffe. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont couverts d'un film nourrissant, hydratant. Et j'ai l'impression que ce masque réactive mes boucles. Franchement, je kiffe. N'oubliez surtout pas d'en mettre sur vos pointes afin d'éviter la casse et les fourches. Ce soin contient également 65 vitamines, minéraux, antioxydants et biotine. C'est un revitalisant qui stoppe la casse des cheveux, il hydrate et fait briller tout type de cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment de la racine aux pointes, je sature mes cheveux un max. N'ayant pas de bonnet chauffant, je fais système D avec un sac plastique sur ma tête que je vais laisser 30 minutes. Regardez mes boucles! Non, franchement, ce masque, il réactive trop mes boucles. Voici mes cheveux une fois le masque rincé, donc on peut voir que mes cheveux sont brillants et que mes boucles sont quand même définies. Donc voilà mes cheveux le lendemain, donc mes cheveux sont vraiment secs et mes boucles sont resserrées, mes cheveux également. Et ça forme vraiment un bel afro grâce à ce masque. Donc mes cheveux sont doux, souples, malléables et brillants. Et j'ai vraiment cette sensation que mon cuir chevelu est aéré, je ne sais pas. J'arrive pas vraiment à définir, mais c'est vraiment l'effet que ça me fait. Après, sachez également que j'ai testé avant ce masque, le masque Coconut Water qui est vraiment un pur gain d'hydratation. Et les cheveux sont vraiment après d'une douceur incomparable. Donc là, j'arrive pas vraiment à retrouver cet effet avec ce masque-là. Mais ça reste quand même un très bon masque, mes cheveux sont doux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye !